C'est un mec qui t'a fait tirer dessus, putain de merde. Quoi? Où ça? Où ça? Où ça? À côté de... du point. De Bravo? Ouais, de Bravo, de Bravo. Ah, mais c'est une putain de blague. Bon, alors en tout cas, le muscle remarche. Ah, Johnson. Ouais, ça va être bien sûr, Bravo, tu vas le voir, il est par terre, la gueule la première. C'est un japonais? J'ai l'impression, ouais. Ah, les touches de téléphone marchent pas, faut les... Non, moi ça marche. Alors, est-ce qu'on a eu un message? C'est un putain de japonais, je crois. Messieurs, il s'est passé quelque chose d'incroyable ou... It's okay. Bah, on a croisé à peur. On a croisé à peur, apparemment. Pardon, un mec déguisé exactement comme lui. Attends, vous savez comment il s'habille, lui? Oui, on l'avait déjà vu. Rappelle-toi qu'on l'avait... Enfin, il avait mis une jolie photo sur avant les vacances. Et là, vous l'avez recroisé en ville? On l'a croisé sur la weed, dans une zone tornotre et possiblement volée, ou peut-être que c'était la sienne. Ouais. En tout cas, une personne qui avait le même masque. On a essayé de le braquer, il s'est enfui la queue entre les jambes. Okay. Donc, pour un gros caïd de la ville... Vous pourrez rafraîchir notre mémoire, s'il vous plaît, avec une petite photo... sur le tableau. Boss, vous savez si Ping viendra bientôt ou pas? Ping, au radio, je suis en ville. Voilà, et bah, c'est magique. Et bah, Ping, va sûrement falloir reblinder ton coffre. Hein. Ok, je suis au corps. Viens, tu vois? Ouais. Regarde... à gauche, par rapport, je suis pas à droite par rapport à toi. Avance, regarde dans la petite rue. Je vais voir. Donc ça veut dire que c'est potentiellement sur les toits ou quelque part et... Je surveille la caisse, ok? Je la fouille. Rien. Attention, sur la rue qui mène à Sierra, il y a une voiture qui apparaît au milieu de la route de temps en temps. Fais gaffe. C'est toi qui me suis, Jay? Ouais, c'est moi. Messieurs, j'ai besoin de deux personnes en surveillance, s'il vous plaît. Parce que je vais dire que je prends du service et vous savez très bien ce qui peut se passer. Ouais, mais là... je prends une moto et je fais un tour vers les taxis. Ok. Il faut faire deux channels, deux fréquences séparées, monsieur. Ok, vas-y, tu surveilles. Ouais, je prends ma moto et j'arrête. Ok, on va faire genre on prend le service, voir si encore les Russes vont venir. Ouais, bonjour, monsieur. Oui. Je peux vous aider, monsieur? Vous m'entendez? C'est bon, tout va bien? Ouais, je vous entends, ouais. Gaston Dine. Ah, comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh ben, ça va. Vous avez changé de coupe depuis? Oui, j'ai changé de coupe. Sous les conseils de Jalali, il me semble. Donc, dites-moi tout. Oui, alors, je voulais vous voir parce que vous êtes pas sans savoir que je vais ouvrir les studios bientôt, là. Ouais. Et pour cela, je viens voir un peu tous les patrons d'entreprise déjà pour me présenter et aussi pour proposer des projets si jamais une publicité ou un tutoriel d'utilisation du matériel pourrait vous intéresser. D'accord. Dites-moi tout sur le projet. Alors, bah, au niveau publicité, je me suis dit que votre service en particulier, ça pouvait vous intéresser parce que ça serait un coup de communication pour la ville entière, ce qui permet à vous de vous faire du bénéfice derrière puisque les gens sont au courant, savent comment faire, quel numéro appeler, tout ça. D'accord. Même une publicité, ça fait jamais de mal, quoi. D'accord. Et vous demandez combien pour une publicité? Bah, pour le moment, rien n'est fait, donc on va rester dans des prix corrects et en accord avec ce que vous voulez. Et tout dépend aussi du projet, quoi. Si on doit passer par des gros moyens de montage ou pas, à voir. Ok. Mais les prix se situent entre 5 000 et 10 000 $ à décider ensemble, hein, si vraiment ça vous intéresse ou quoi. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais en parler à mon co-directeur. Bien sûr. Et je vous recontacte très bientôt. J'ai cru comprendre que vous partez tôt ce soir. Oui. Non. Ce soir, non. C'est en général, je reste jusque minuit. Puis après, c'est retour à l'hôtel. D'accord. Sinon, je sais pas si vous connaissez. Je vais m'associer plus ou moins avec un certain Sun Chiran. Je sais pas si vous le connaissez. Ouais, non, je connais Chiran. Peut-être un pote à lui. Ah non, Sun. Ah, je sais pas. Je lui ai jamais demandé. Si vous voulez, je peux vous passer son contact. Merci, mon frère. Peut-être que lui le saurait et il peut vous renseigner autant que moi. Est-ce que vous pouvez lui envoyer mon numéro et de me ouais, dire de se présenter pas de problème. Qui vient de votre part, monsieur, s'il vous plaît. Ok, pas de soucis. Vous voulez des nouvelles pour quand? Bon, si c'est ce soir ou demain, comme vous voulez, de toute manière, j'aurai votre message si c'est demain ou pas, ou par mail, comme vous passez. Très bien, et eh ben écoutez, je vous donne des nouvelles très bientôt. Ok, pas de soucis. Vous Merci me beaucoup. Courant, et voilà. Ok, nickel. Bonne soirée. Hein. Bon courage. Merci. Je fais le tour des lieux, je suis sur la zone. Ok, ici boss, on attend jusqu'à 54 et après je décolle. Bien reçu. Après je fais une fin de service et j'ai besoin de faire du sport, putain. Parce que là, je t'avoue... La même. Ok. Je me sens tout fébrile. Ok, c'est moi qui viens d'arriver. Fin de transmission jusqu'à 54. Bien compris. Microphone activated. Ah, Johnson. Ouais, ça va et toi, moi? Ouais, ça va. Bon alors, quoi de beau là, au niveau de la société? Eh bien, on gagne un peu d'argent, puis on en perd, puis on en gagne, puis on en perd. Ok. Il y a un binôme Gaston, là, qui est venu me parler. Il m'a demandé si ça nous intéressait, une publicité pour la boîte. Faire une vidéo, tout ça, apparemment. On peut faire une vidéo et faire un gros fuck à toutes les salopes qui appellent pas le taxi. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, ça peut être drôle, hein. Bon, par contre, ça sera payant, hein, tu te doutes bien. C'est, il est directeur de la société de production. Ouais, il travaillait pour nous avant. Ouais, je sais, ouais.
Mais il a changé de coupe de cheveux, je t'avoue que je l'ai pas reconnu. Et là, il est producteur, il est directeur-producteur d'un service de vidéo. Donc, est-ce que d'accord. ça t'intéresse ou pas? Ouais, ça peut être intéressant. Ok, faudra lui donner des nouvelles ce soir ou demain. Donc, je paramètre un rendez-vous pour dimanche soir, pour qu'il nous explique tout comment faire, ok? Ok, c'est bon ça. D'Ivoire. Ouais. On va parler d'autre chose vite fait, là. Niveau arme, on est comment? Chuchote, hein. Ouais, t'inquiète pas, alors. On a un nerf qui ressemble beaucoup à une Kalachnikov. Ouais. On a un nerf de type pompe. Ouais. On a un, bah après, on a que des petits pistolets qu'on a chopés sur... Le PPA, tout ça, ouais. Voilà, qu'on a acheté au PPA quand ils nous ont été offerts, d'ailleurs, par l'armurier. Ouais, deux achetés à offert, tu connais, hein. Ah oh, bah là, un acheté, on a eu deux, hein. C'est qui a eu les armes lourdes dans cette histoire? Alors, dans les nerfs, j'en ai une dans le coffre du véhicule. D'accord. Et l'autre, c'est Jigil. Ok. L'OG, je trouve que vous lui donnez beaucoup de choses. Hein. Non, mais c'est parce qu'il l'avait acheté avant qu'on recrute. Ah, c'est la sienne? Oui, c'est la sienne. Ok. Pink, okay. Pour boss, je décroche la zone. Ouais, ici boss, Aaron, tu peux décrocher. Je vais aller faire du sport, là. Ok. Bon, ça roule. Pour la réunion, tout est prévu tout à l'heure encore. Ouais, on va s'occuper d'une blonde. Ouais, ok, ça roule. Tu m'expliqueras tout ça, ton point de vue et comment s'en occuper, ok? Ouais, tranquille. Ça va faire à peu près comme hier, de toute façon. C'est encore un plan en fonction, on le garde. C'est quoi les infos que tu... Bah, tu nous expliqueras tout à l'heure, comme ça. Ok, super. Les infos sur quoi? Non, mais sur comment ça va se dérouler, mais tu nous expliqueras quand on sera tous là. Ouais. D'Ivoire, t'as besoin de faire du sport, toi, ou pas? Ouais, bien sûr, tous les jours. Ça te dirait qu'on y aille, là, vite fait? Bien, si tu veux. Allez, vaut mieux être deux, on n'est pas... Tu sais très bien que là-bas, il se passe des choses. T'as vu Twitter, va voir Twitter vite fait là. Il y a quelqu'un qui vient dans 10 minutes pour passer un entretien, on vient dans 10 minutes, ça marche? Ouais, ok. Elle est sympa cette voiture. Hein. Ouais, par contre, attendre comme de la merde. Ouais. On est d'accord, les ceintures c'est automatique hein, dans ces voitures. Ouais, c'est magnétique. Oh putain, mais c'est pas possible, tu glisses. Si tu veux, à l'arrière, il y a des chewing-gums mentholés. Ouais, non, dis que je pue de la gueule, putain, ça va aller. Attends. Ouais, je les ai achetés pour Dawson, on va pas se mentir. Ouais, je comprends. Ah, et pour l'autre Mexicain aussi, il pue de la gueule, hein, c'est horrible. Ouais, bah, à force de sucer aussi. Ouais, tu l'as acheté combien, d'Ivoire, cette voiture-là? Parce qu'elle a de la patate, hein. 76 000. Ouais, j'ai rien dit. Et il te reste combien en banque? 18 000, là. Eh ben, ouais, toi, t'es éco-responsable, non? Exactement, j'ai une petite baisse sur mes factures. Ouais, mais t'as quand même de l'essence à mettre là-dedans, hein? Faut que je recharge la batterie. Ok. Comme un téléphone. Et tu vas où là? Tu m'as changé? Ouais, moi je fais du sport en tenue. Plusieurs. Ok. Oh, t'es bon comme ça. Je vais voir le devant commissariat, voir ce qu'il y a, on peut se faire une tire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu vas au commissariat? Merde. Ok, bah je prends visuel depuis. Ouais, bah attends, T2. C'est bon, t'as les biceps qu'il faut. Hein. Je promets rien, hein. C'est juste qu'on n'a pas vu une bagnole tourner en ville, ça a l'air bien calme. Alors, j'ai une VL3 qui est soldée devant le Fumico. Ouais. Personne à bord. Ouais. VL2 d'ailleurs. Enfin, avec ce qu'on a, hein. Ça va, Jameson? Salut les gars. Plein gyrophare devant moi. Mais là, on va sur la main. Ouais, mais là, il y a un véhicule de police qui vient de partir en plein sirène. Non, c'est pas le moment. Ah. Bon, bah, je redescends mon échelle. Ah, je suis pas compatible pour faire du sport. Moi, je dirais qu'il faudrait calmer les sirènes pour l'instant. Avec le braquage hier. C'est un mec qui s'est fait choper. Je pense qu'on faut éviter. De calmer un peu les sirènes. Ce serait quand même choper et prendre plus cher que ça. Frascrocha. Dame les gens. C'est Chibo in shape là. Dame, si tu veux des veines comme Tortank. Ridande. Boum. 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 30 euros la vidéo, 30 secondes. J'ai un rendez-vous à la 45 euros la dédicace. Je reprends après. Va de l'autre côté. Bien sûr, je te passe du Brix. Link pour J, j'arrive dans les locaux dans 2 minutes. C'est de l'autre côté. On rentre dedans. Ah, t'as déjà fini ton sport, putain! C'est ça le genre de pognon, j'entends là! Ouais, bien! Ouf! C'est pour la chute! Après, comment tu fais ça? Bah, je m'échauffe! Attends, fais gaffe quand vous êtes en ville, les CTLM tournent en scooter! Vas-y, hein, chauffe le mur! Regarde-moi ça là! Regarde-moi ça! Frère, regarde-moi ça! Ok, c'est parfait, merci! Là, on réentraîne son niveau! Bleu en déplacement! Ah ouais? Ouais, attends, je vais essayer. 27 000, je l'ai acheté 32 000, ça va. Je vais essayer un peu. Oh, ça a été bénéfique. Vas-y. Ah oui. Ah oui, c'est bénéfique. C'est bon. Allez, tu vois, on dira ce qu'on veut, mais petite séance de sport, ça fait du bien quand même. Hein. Allez, vas-y, viens, on va traîner un peu en ville là. Y'a pas un rendez-vous? Le rendez-vous, c'est pas. C'est à 30, non? Non, mais je parle du mec. Je vais à la concession. Ah si, vas-y. J'ai une question, monsieur. Elle est où la weed? Non, mais pour mon frère.
putain. Blue pour boss. Ouais. Autorisation de coller une balle à Pink. Ouais, tu peux en mettre deux. Ok. Zéro, il est dans le coin ou pas? La double T. Double T, la Diablous, ça va pas le coup. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ah oui, ça va super. J'ai passé mon appel à tester toutes les motos que j'ai trouvées. Pourquoi 24? Ah bah, 28 000. Je vous présente mon co-directeur de la société de taxi, Emma Gallaghan, directeur de service taxi. Mais... On vous écoute, monsieur. Voilà, j'étais venu, vous aviez proposé un poste il y a 3 semaines, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. On en cherche toujours, ouais. J'ai dû partir, et je suis de retour. Je pense, un poste à pouvoir. Alors, monsieur, j'ai pas envie de vous vexer, mais vous avez le nez bouché ou... Non, pas du tout. Les gars, Piki est dans le ballon. Venez d'où, monsieur, comme ça? De Norvège. Ah, c'est peut-être le petit côté norvégien, effectivement. Un petit chelet de bec dans le nez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme tout, hein. Dites-moi vos disponibilités, rappelez-moi, s'il vous plaît. Je suis disponible à partir, on va dire, 17 à 2h du matin. Ok, t'es au courant que c'est pas un boulot facile? Une fois que t'as la tenue, y a pas de blabla inutile et tu te balades pas, on n'est pas là pour ramasser les roses. Non, je comprends. C'est un boulot épuisant, ça rapporte par contre, ça rapporte gros. Hein. Plus vous faites de clients, plus vous aurez de l'argent dans votre poche personnellement, en plus de votre salaire. Mais si on vous surprend que vous êtes en tenue et que vous branlez rien, vous êtes viré sans préavis. Ici c'est l'Amérique. D'accord, c'est bien pris. Il y en a encore assez civilisé pour vous tirer dans le cul. Voilà, vous avez compris? Ouais, je suis prêt à faire le boulot et à montrer des preuves. Il faudra faire un rapport tous les soirs à monsieur Mo à ma droite. Voilà, il vous fait des signes là, vous le voyez? Ouais, je le vois. Ouais, il faudra lui faire un rapport tous les soirs. Un rapport détaillé. Dans ce rapport, il y a votre début de service, le nombre de clients que vous avez emmené, le nombre de clients de votre beeper que vous avez emmené, et votre fin de service. Et toutes les informations bizarres que vous avez pu croiser durant votre service. D'accord, c'est pas ça. D'accord. Si vous êtes partant, on prendra votre nom, votre prénom, votre carte d'identité. Veuillez donner votre carte d'identité, s'il vous plaît. Enfin, la montrer, s'il vous plaît, à monsieur Mo à ma droite. On va noter votre nom, votre prénom, vous aurez un véhicule. Et monsieur Mo à ma droite va vous expliquer un peu le déroulement des choses rapidement. Et vous pouvez commencer le travail dès ce soir. Monsieur Wolfstad. D'accord. Vous avez déjà utilisé un beeper ou pas, monsieur? Non, pas du tout. Eh ben, on vous expliquera comment facturer et tout, c'est rapide. Je te laisse lui mettre... Oh putain, Virginie, tu m'énerves. Je suis désolé, mais dès que je la vois, elle... Ouais, monsieur, moi, je vous laisse... Oh putain, je vais me battre, là. Ouais, retiens-moi, là, parce que... Ouais, désolé. Ouais, désolé. C'est... elle me chauffe trop, là. Ouais, tu peux t'occuper de lui mettre, s'il te plaît. Bien sûr. Bonsoir, patron. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Ça va, c'est vraiment un endroit où on peut choper facilement, ça va, les gars. Vous allez travailler, là? Ah ouais, du coup, là, j'ai du temps libre. Mes collègues, ils sont pas là, du coup, je vais en profiter. Parking au cas où, et j'arrive à salle de muscu. Ça vous plaît, le service taxi? Tu rentres quoi, là? Ah oui, le travail me plaît. Après, les courses des citoyens, j'ai entendu dire que le gouvernement, il faut en toucher là-dessus. C'est un conseil, mais il va falloir que ça rapporte un petit peu moins, mais bon, ça rapporte toujours. C'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, les courses ce soir, je les prends ou vous les prenez? Vous pouvez les prendre. Ok, bah pas de soucis. Je vais faire ça. C'est pas très cher, une centaine de balles. Ah, pas de soucis, monsieur. Bonjour, messieurs. Vous pouvez juste, par contre, vous mettre là-bas, s'il vous plaît. Oh, on en a pas pour longtemps, hein. C'était juste pour vous faire un petit coucou et puis vérifier que tout se passe bien de votre côté. Si vous avez rien à signaler, on va repartir. Non, parce que Léa, si vous voulez, c'est notre garage. Vous connaissez Léa? Pardon, j'ai pas compris. Vous connaissez Léa, ici présent, la jeune demoiselle là? Ah oui, ah non, oui, bonjour, bonjour Léa. C'est juste parce que c'est notre garage et elle a un putain de gros garage grand comme ça, je vous raconte pas. Ah, bon bah ça... vous allez bien? Oui, bah ça va très bien, et vous? Tout se passe bien? Bon, ouais, ça va, écoutez. Votre anniversaire s'est bien passé? Ouais. Bon, j'ai eu quelques amendes, hein. Je vous cache pas que ça gâche un petit peu les soirées, mais bon. Faut pas rouler si vite aussi, hein. Ouais, mais vous savez que les motos, ça va tellement vite qu'on a du mal à regarder, hein. Ah, je me doute. C'est difficile de rester sur un compteur aussi petit, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, mais je comprends bien. Bah du coup, s'il y a rien à signaler, ça se passe bien, là, avec... On est en train de prendre un nouvel employé, là, comme vous pouvez le voir. On était en train de faire l'entretien. D'accord. Le monsieur là-haut, en face du monsieur Auberet. Donc, ça se passe plutôt bien. Écoutez, c'est bien que vous fassiez des petits check-up de temps en temps. Ça fait plaisir, en tout cas. Ouais, bonjour. Ouais, bon, non, on passait dans le coin. On a vu un peu de monde. On a dit, on va faire un petit bonjour. Putain, ça se passe bien avec l'entreprise, là, qui a ouvert il y a deux rues d'ici, là, la livraison de journaux. On les a pas encore rencontrés, pour être honnête avec vous. Je savais même pas qu'ils étaient par ici, d'ailleurs. Ouais, non, c'est pas très loin, là, c'est à deux pâtés de maison, à peu près. Bon, on va aller faire un tour par là-bas, et puis, D'accord. Si jamais vous avez un problème, hein, vous connaissez mon numéro. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, celui de la police. Évidemment. Et il se passe rien, il se passe rien dans le quartier qu'on devrait savoir. Non, pour l'instant, c'est calme. Hein. Ça reste très bien. Calme. Et bien, que ça reste le plus calme possible et le plus longtemps possible. Exactement. Allez, merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. On va changer, toi et moi, et on va au lieu.
Nam là, il y en a deux ouais. En fait. Ouais, 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 la Devil. Exactement. Il y a un mec sur le Dark Chat qui a mis bonsoir et il y a un mec qui répond. Il y a un mec qui a. Robin, on s'est derrière des infos sur le PDS. PBS ou PDS ? PDS. Ouais, bah demande ce que c'est que le PDS. Ouais, radio, vous êtes sur quel Dark Chat là, s'il vous plaît ? Weed. Moi, j'étais sur Weed, mais je l'ai plus. C'est hashtag Weed ? Ouais, hashtag Weed. Ok, représente si c'est. Allez, on voilà. Bon, je vais quitter le chat, le Dark Chat, parce que ça me casse les couilles. Hein. Faut qu'on se change ou quoi ? Ouais, je pense. Ouais, tu referas un petit point sur la radio, hein, parce que c'est un enfer. Hein. Et lui, il y a les masques. Ok, bien. Sois un petit peu moins agressif. De gré de retour sur la radio. Oh putain. Ils ont un ego surdimensionné. Tu as reçu le message ? Ouais, c'est ah, mais là où je viens, ça marche pas trop là tout ça. Ouais, je sais, mais fais un petit effort. Parce que sinon. C'est pas trop grave la raffinerie. Faites gaffe, il y a les flics qui traînent en ville. Il y a l'agent qui casse les couilles. Je sais plus comment il s'appelle là. J'ai envie de lui baiser ses morts. Non, un cadet là avec sa petite voix. Oui, c'est pour les plantes. Moitié roublon là. Attendez, c'est qui le mec avec un masque rouge là ? C'est moi, c'est moi. Les bel amis, je vous le dis, si je le croise tout seul ou avec ça un sera dans la bouchonnerie. Bah, de souvenir, Bellamy, il était transféré dans le Nord. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a entendu. Dans la clinique, je crois. Hein. Oh, non, putain. Il est au Bosco. C'est quoi ce trou noir là ? Ah, il est flic. Bah oui, il est flic. Ouais. Je sais pas, mais je vais pas aller dessus. J'hésite à balancer son dossier à Vic, mais bon. Ça me rappelle le trou de balle d'un gars. Le fait que c'est Too Fast For You, donc un mec qui suivait les gens dans le Nord, qu'il a été arrêté une première fois pour une tentative d'agression sur Jali. Je suis bien tenté d'y aller quand même. Et voilà quoi, apparemment pas mal de vols de voitures, de conduites dangereuses. Tu prends des risques toi. Arrestation de ce qu'on entend par-ci par-là quand ça parle. Je crois qu'ils ont découvert une matière qui rend parfaitement noir le truc et on a l'impression qu'il y a rien. On était bien content de le savoir là-bas et qu'on le contrôlait. Ils ont arrivé à ils ont réussi à faire un truc en matière parfaitement noire qui absorbe 99% de la lumière. Et ça donne ça, tu vois. Je pense que ça, c'est une technologie nouvelle. Les trois motos qui se suivent, qu'on soit pas suivis, les gars. Prenez des chemins de travers. Ouais, c'est fou, ça avance. Mais de là à ce que les boucheries en soient équipées, c'est incroyable. Présentez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Ici Blue. Ouais, G. Ici Red. Ok. Boss, il est zéro. Ok. Présente-toi. Ok. Ici Pink. Merci. En Black, il arrive. Présentez-vous. Zéro, Red, Blue. Vous allez bien, messieurs, vous avez passé une bonne journée ? Ça va et vous ? Très bien, très bien. Prêt à travailler. Prêt à travailler ? Eh ben tant mieux, parce que ce soir, ça va être mouvementé, je le sens. White, il est pas là ? Non, White, il sera pas là. Et... On revient mardi ou lundi, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et Blue, je ne serai pas là, c'est week-end. C'est peut-être le temps d'envoyer son Western Union. Merci de prendre l'habitude, quand vous venez dans un groupe, de dire qui c'est, s'il vous plaît. Black. Voilà, merci. Ok, bon, tout le monde est là. Si. Bon, écoutez, d'abord, on va commencer par un truc, c'est la radio. On va pas se répéter tous les jours non plus. La radio, c'est pas un bar. C'est pas pour raconter vos meilleures blagues ou raconter votre vie. La radio, elle est là pour les plans, les infos à donner. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de parler constamment de vos vies sur la radio. Si vous voulez parler de vos vies, vous vous appelez. Tout le monde a bien compris ? Oui, chef. Oui, patron. Parce que c'est assez casse-couille de voir la couper à chaque fois. Si un truc important, on n'est pas prévenu parce que chacun ouvre sa gueule. Bref. Non, ça mettait pas l'ambiance. Du coup, les plans de ce soir, on va commencer par rapport à l'info d'IA qu'on a obtenue sur Ashley. On doit la choper. Ok. Ok. Donc, pour la choper, on va procéder à peu près comme d'habitude. De toute façon, la méthode marche bien, on va la suivre. On va tous essayer de la trouver. Dès qu'on la trouve, on communique. On attend qu'elle soit bien isolée. On la chope. Moi, je me dirige à un endroit. Je vous donne l'endroit. On va rejoindre avec elle. Ceux qui participeront à l'interrogatoire, ce sont Blue, Boss, Pink et White, mais White n'est pas là. Okay. Moi je veux bien participer parce que hier t'inquiète. Sur les deux derniers j'étais en train de veiller donc ça nous autres. Ouais, il faudra activer l'accent russe par contre. Mais t'inquiète pas, nous autres on va s'occuper de l'intimidation et du guettage. Donc toi tu seras en intimidation, G sera en intimidation, Black il sera en intimidation même s'il n'intimide pas beaucoup, et Grey tu seras aussi du coup pour. Interrogatoire, tu remplaceras White. Ok, et qui c'est qui surveille ? Moi. T'as prévu de l'embarquer où, Zéro ? Dans la nature. Ok, tu nous enverras le point et comme d'habitude, ceux qui interrogent... Oui, t'en fais pas, je vais partir chercher le point dès qu'on quitte cette réunion. Très bien. Et comment vous comptez qu'on l'isole ? Parce qu'à mon avis, elle est en service. Hein. C'est pas grave, hein. On l'attrape quand elle est en service. Hein. C'est... Ouais. Et si elle est avec un collègue, elle sort jamais mais ça bah, aussi on... Bah c'est pas grave, on braque l'autre. Coup de crosse dans sa gueule. Et on... Non, écoutez, si elle est avec, avec un collègue, vous attraperez le collègue. Vous non mais, au pire des cas, chef, je peux faire une proposition ? Allez-y. Au pire des cas, si on voit qu'elle est jamais seule, on peut l'appeler, lui dire que j'ai du nouveau sur l'affaire avec Raven, avec lequel elle est. Vous arrivez, vous nous kidnappez tous les deux, et puis après, moi...
je m'habille. Ah, hein, j'aime pas trop les plans où l'un de nous se mouille à tirer. Non, j'aime pas ça. Pareil, ça parce trop, que hein. si elle va voir les flics après, elle va dire voilà. que t'étais dans le coup, donc ils vont te cuisiner un peu, tu vois. Bah ouais, mais j'ai pas de balancer, réfléchis deux minutes. Oui, mais c'est pas forcément de balancer, mais tu vas te faire suivre, ça. Au pire, on est énorme volé. Désolé, Pink, mais t'ira à l'hôpital avec une balle dans le trou de balle. Mais non, pas besoin d'en arriver là, abusez pas. Non. On va pas se tirer dessus gratuitement. On va pas tous se mettre. On va pas se mouiller, on va juste la chercher, attendre de l'isoler. Et puis si elle avait quelqu'un, on emmène le deuxième aussi. Ouais, peut-être que le deuxième aura également des informations, peut-être. Ouais, on interroge à part. Juste ensuite, une suggestion, vas-y. S'il vous plaît. Si quand on les embarque, c'est très bien, on prend les téléphones, les armes, les radios. Il faut qu'on leur ajoute un bandeau sur les yeux. Et bien sûr, on y a ce. Et il faut leur attacher les mains, il faut leur. Oui. Les mettre à poil pour vérifier qu'il n'y ait pas de traceurs. Non, mais on va pas le faire quand on les embarque, quand on les chope dans la rue. Déjà, on met trop longtemps. Il faut aller plus vite non, que ce qu'on a quand fait. Vous, juste quand vous vous attrapez, oui, montez dans le véhicule. Merci, vous allez un peu plus loin, dans un premier secteur que vous voulez. Vous les déshabillez là-bas et après vous viendrez sur point. Ok. Mais par contre, récupérez radio et téléphone merci, avant Jack, de les faire monter dans le live TV. Oui, oh, t'inquiète, on fait ça tout le temps à chaque fois. Et pour le téléphone, vous le brisez et vous le jetez dans le caniveau, de même pour la radio. Comme ça, ils pourront pas le récupérer, ils pourront pas rappeler après le problème. Il faudra qu'ils aillent en racheter un. Zéro, est-ce que je peux proposer quelque chose vite fait? Vas-y. Messieurs, par rapport à ce qui s'est passé hier avec les deux Russes, la prochaine fois qu'on est face à une situation comme ça, on les sépare et on les interroge à part pour pas qu'ils aient connaissance et qu'ils puissent savoir ce que l'autre a répondu. Comme ça, on saura s'il y a du mensonge ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, et surtout, la prochaine fois qu'il y en a un qui hurle pas alors qu'il se fait couper de doigts de pied, c'est une balle dans la tête et ça dégage. Ouais, ça j'ai déjà dit. Mais c'est très important, les interrogatoires, toujours, jamais les faire en laissant deux personnes. Parce que la première personne va écouter la deuxième et elle répondra à la même chose que lui. Et ils vont s'entraîner. On va faire pareil avec, bien avec sûr. Murphy et... Exactement. Donc c'est ça, c'est juste à noter à l'avenir, on n'oublie pas. Et encore une fois, et ça c'est quelque chose d'important, si jamais ils ont pas leur carte d'identité, ça arrive. Et c'est valable pour vous. Quand vous faites une OP, laissez vos cartes d'identité dans votre voiture ou autre. Ensuite, pour les futures réunions et quand les plans sont expliqués, pour éviter que tout le monde se parle. Merci David pour ton tiers. Parce qu'on parle tous en même temps. Le seul qui parle, c'est moi, on va dire. Et que quand vous avez quelque chose à dire ou proposer, vous levez la main et vous le dites. D'accord ? Ok. Sinon, ça va merder quelque part. Ouais, Blo ? Il faut qu'on modifie nos accents et nos voix. Vous devez tous être au courant, mais. Bah, surtout toi, en fait. Bah, ouais. On n'a pas d'accent. Ouais, je sais bien. Ça faut t'en prendre là où t'es né. Ah, ouais, mais ça va. C'est bon, déjà, je connais votre langue. Alors, pour les accents, c'est surtout ceux qui font l'interrogatoire et la torture. Ouais. Parce que nous, ceux qui braquent et qui guettent, on peut juste avoir été payés pour échapper. Si. Oui, Gré. En soi, vous pensez pas que le plus simple, plutôt qu'imiter toujours un accent russe, c'est de garder sa voix normale? Parce qu'en soi, nous, on n'a pas d'accent, donc on représente à peu près 80% de la population de l'île. Oui, non, c'est mais... sûr, comme tu veux, mais... Ouais. En fait, si on prend un accent russe, c'est parce que grâce à cet accent, on peut les mettre sur une fausse suite, et c'est le projet. C'est pour ça, tu vois, ou parce okay. que... Ouais, je vois. Parce okay. que c'est bien d'avoir de pas avoir d'accent. Mais prendre un accent russe, ça les met quoi qu'il arrive sur la piste des Russes. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qu'on a embarquées ces deux derniers jours sont persuadées que c'est des gens de l'Est qui les ont embarqués. En gros, ça t'offre une protection supplémentaire à l'extérieur. Ouais, j'ai ajouté un petit truc pour les accents à prendre. C'est bien de prendre un accent de l'Est, mais essayez des fois de changer un peu. De prendre un petit accent mexicain, un accent africain, un accent asiatique, on a déjà Blue. Oui, non, mais d'accord, mais. Gré, tu voulais parler Blue. T'as une très bonne idée de prendre un accent asiatique. Voilà. Mais toi, tu garderas ton accent à la con, plus jamais tu parles comme ça. Ok, patron, si. Ouais, Black. Pour acheter, j'étais en service, et en service, elle est débordée. Il y a beaucoup de flics au niveau de l'hôpital. Mais les accents permettent de. Ils permettent pas de reconnaître formellement. Ils sont beaucoup être atteints. Mais. Ça reste et un coup, détail un que tu peux lier. Je pourrais vous tenir au courant. Ça veut dire que tu peux dire ouais, je me suis fait embarquer. Ils avaient un accent de l'Est. L'opération sera terminée. Ça, ils peuvent. Eh oui, c'est le règlement. C'est pour ça. On retournera faire quelques circuits de weed si ça n'a pas duré trop longtemps. Et des sierras si on peut. C'est comme d'habitude, sauf que vous prendrez Black avec vous pour qu'il récolte. Okay, ok. Et ça, je laisse Blue gérer ce côté-là. Jusque-là, il a très bien géré. Ouais, Gré. Pour les sierras, je pense qu'on devrait faire un léger. Ouais, avec toutes les histoires qu'il y a eu et tout, à mon avis, ils sont plus que sur les dents et non, je pense que celui qui braque n'a pas forcément envie de retrouver de 4 M4 à l'extérieur qui l'attendent, quoi. Ah, mais ça, Syrah, c'est vraiment si on voit qu'on peut la faire, sinon on l'oublie. Tu voulais parler, Blue ? Ouais, je suis d'accord avec Gray, mais je suis aussi d'accord avec le fait qu'on est bien organisé et qu'on s'en va toujours avant que les policiers arrivent. Mais bon, je suis d'accord qu'il faut temporiser un peu, là, ils sont vraiment chauds. Bien, du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou à demander ? Ouais, boss. J'ai tout compris jusqu'à ce que Ashley rentre dans la voiture. Mais c'est qui, donc on va tous aller aux infos pour savoir où elle est, mais c'est qui est chargé de la faire entrer dans la voiture ? Ceux qui seront le plus proches avec Armée. Bah,
D'accord. Donc on prend en priorité Red et Blue. C'est celui qui la localise, il avertit le conducteur du véhicule. Le conducteur du véhicule rejoint la zone. Une fois qu'il est en place, on braque et il fait ce qu'on lui dit. Par contre, c'est Boss qui fait l'interrogatoire, c'est ça? Alors, avec toi. Boss, toi et Gray, vous ferez l'interrogatoire. Quelles sont les priorités des questions? N'importe quoi, excusez, tout ce qu'il y a peur. J'étais en train de couper des tétons hier, je me souviens pas des sujets bien abordés. Gardez l'argent pour Murphy et Merlin. Okay. On saura plus sur ça et tout ce que c'est, toute autre information qu'elle pourrait avoir. Okay. Pareil, c'est avec un collègue qu'on chope son collègue. Elle doit connaître un peu les Luskov, je pense. Non, du coup, je vais répéter un petit peu quand même une dernière fois. Boss, Blue, Gray, interrogatoire. Le reste, intimidation, moi, guettage. Est-ce que j'ai besoin de répéter pour la radio en cas où? Non, c'est bon. Chef. Ok, donc à partir de maintenant, si la radio, si je me mets sur la radio là, j'entends plus personne raconter sa vie. J'entends que des informations importantes. On est d'accord? Oui, chef. Ok. Ouais, Gray. Est-ce que quelqu'un a acheté du scotch ou a récupéré du strapping comme j'avais demandé hier à Black? Non, mais je peux le récupérer après si tu veux. Ça serait bien d'en récupérer ou au moins un minimum donc, acheter du scotch pour pouvoir leur ligoter les mains plus facilement et plus rapidement. Ok. Pink. Chef, au début de la réunion, je faisais partie de l'équipe interrogatoire. Oui, c'est ce que je t'ai zappé. Ah, ok, d'accord. Ça fait plaisir, chef, merci. De rien. Si tout est bon, on pouvait tous repartir. Autre truc à dire pour tout le monde, pour la radio, ceux qui ont des motos, essayez de les faire teindre en... Enfin, attends, essayez de les repeindre en noir pour que ça soit moins visible. Je pense même qu'on pourrait l'amener ici, là, près d'un bac d'acide, là. Ah, on va voir comment il crie ça. Elle doit manger, la petite Ashley. Elle trempe dans des trucs sales, elle doit manger. Bon, je vais me changer et puis je vais les réparer ma caisse. Allez, je vais me changer aussi. Et là, pour une réunion, c'est la première qui se passe aussi bien. Ouais, c'est bien, ils grandissent. Black pour radio, elle est toujours à l'hôpital. Ramène-moi au dépôt. Écoutez, j'ai besoin d'aller à l'hôpital pour me faire soigner, donc je vais essayer de l'approcher. Pink pour radio, 3 voitures de flics à Munition. Ouais, ça a déjà été donné. Je crois qu'il y a peut-être un PPR, hein, je pense. Hein. Ah putain, j'étais pas habitué à un silence pareil, dis donc. Et ouais, c'est bien.